fais un H, là, fais le tour. Fais le tour de l'arbre. Mais dans le fond, pour choisir l'emplacement, on a choisi un terrain qui était plat. Puis on a choisi un terrain où, tu sais, dans la toilette, il y a comme pas trop de souches, je pense. Puis aussi, on a choisi un terrain où il y avait comme quatre arbres assez rapprochés pour pouvoir faire comme un périmètre avec des bâches. Mais dans le fond, il y en a une qui est celle-là, en fait. Elle va jusqu'à cet arbre-là, puis elle fait comme le tour sur quatre arbres. Quatre. Puis ensuite, il y en a un autre qui part d'un autre arbre qui va après un autre arbre. Ça, c'est pas assez longue. Ouais. Puis ensuite, t'en as une qui fait la porte, qui fait comme un peu un rideau de douche. T'en as une qui fait par-dessus comme un toilette, celle qui est accrochée là. On l'a accrochée là parce que, tu sais, s'il pleut, ben, on veut pas que l'eau, elle nous coule dessus, genre. Elle va couler comme à l'extérieur. Puis ben, je vais vous montrer comment on a fait nos noeuds. C'est le côté où ça, j'ai genre fait. On a fait comme deux tours. Non, en fait, c'est des nœuds de cabestan. C'est des nœuds avec une loupe. Enfin, tu tires sur elle, maintenant elle est accrochée à l'autre arbre. Tu peux l'attendre autant que tu veux, puis ça se défera pas. Puis ensuite, si tu veux défaire le nœud, tu fais juste tirer ici, puis ben. Ça se défait hyper facilement quand tu veux défaire le corps. Donc, c'est à mon tour, je crois. Ok. Bon, mais au fond, on a choisi cet emplacement ici parce qu'on voulait pas être trop à proximité des campements. On voulait une petite intimité. Donc, on s'est mis ici, puis c'est assez facile. On est comme entre le campement, puis on est très près du chalet. Et puis, vous venez ici, là, vous passez par ici. Puis là, si vous voyez ça, que c'est occupé, vous ne rentrez pas dans la toilette. C'est occupé! Mais quand vous partez, vous vous l'enlevez, parce que naturellement, sinon personne ne pourra aller faire pipi. Puis là, vous venez ici. Là, ben, vous voyez les belles affiches, comme on l'a expliqué. C'est comme un rideau de douche. Puis on a mis une corde ici pour ceux qui veulent vraiment être sûrs que le monde a vu que c'était occupé. Fait que vous pouvez l'attacher avec un œillet, pour que ça puisse être serré. Puis personne ne va voir là à côté. C'est correct. Ben, dans le fond, on rentre ici. Okay, ça a des tours guidés, donc allez-y comme deux par deux ou trois par trois. Parce que alors, sinon... ça, c'est notre toilette, elle est super belle. Donc, on a creusé un trou avec une pelle, puis on a mis la chaise par-dessus. Puis, il y a une poubelle avec des petits sacs de lavande. Dans le fond, vous jetez vos papiers de toilette dans la poubelle et pas dans le trou. Et lorsque la poubelle est pleine, vous pouvez faire un nœud avec le sac, puis il y en a un autre en dessous, puis il y en a plein d'autres en dessous. On jette pas nos papiers dans le trou? Le papier de toilette, papier oui, de... mais les articles féminins, non. Puis là, il y a du papier de toilette. Ah, il y en aurait voulu. Là, il y a des petites affiches pour que vous vous sentiez plus à l'aise. Plus à l'aise. Il y a du assainissant pour les mains. Et si vous faites caca et ça pue, vous pouvez mettre du push-push, sauf que c'est... un push, parce que c'est hyper concentré, fait que pas plus qu'un. Puis si vous trouvez le temps long, ben il y a un magazine que vous avec un reportage exclusif sur les acteurs de Hunger Games. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, mesdames, des toilettes.